Smart Good Things vous présente le débrief. Ouais, beaucoup de bonheur. On fait l'interview, le match est terminé depuis une heure, donc, mais le bonheur est là toujours. Le bonheur est là. Il a été très très intense. Très très intense parce que quand on voit ce public, quand on voit son staff, certains membres du staff comme ça pleurer, en tout cas avoir une telle émotion, c'est énormément de bonheur. Et puis tout le travail qu'on fait avec les joueurs depuis 20 mois. Et d'être récompensé, parce que gagner le derby c'est une chose, gagner le derby contre le champion de France c'en est encore une autre. Et de cette manière-là, avec beaucoup d'intelligence, c'en est encore une autre. Donc c'est magnifique. On va le goûter un peu et puis on va vite repartir sur Strasbourg, mais on va le goûter un peu quand même. On dit souvent plus c'est long, plus c'est bon, donc on va pas essayer d'attendre 15 ans pour la prochaine. On va pas essayer. J'ai été 2-3 fois captivé par toutes les tribunes, que ce soit sur le but, que ce soit quand on rentre, que ce soit à la Marek. Donc ça a été fantastique, que d'émotions, on fait ces moments, on joue au foot pour des moments comme ça. Mais on veut remercier aussi nos supporters d'avoir été fantastiques, parce que c'est peut-être qui nous donne ce supplément d'âme ce soir pour aller gagner ce match. C'est le football, c'est ça aussi la qualité des belles équipes, des grandes équipes, des grands joueurs. C'est de goûter l'instant présent et puis à partir de demain, on n'aura pas beaucoup plus de temps de rebasculer sur une équipe qui vient de faire un très gros match, un très gros résultat dans un autre derby. Et donc il va falloir, mais si on a j'ai des joueurs ambitieux, il faut réussir à vite switcher.